Il s'en alla dans les grands prés verts.
Soudain, quelque chose dans l'air attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui s'approchait. Le chat se disait, l'oiseau est occupé à discuter, je vais en faire mon déjeuner. Et, comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. L'endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu ? Thank you.
En un éclair, le chagrin va dans l'âme. Le canard se précipita hors de la mare en cacotant. Mais malgré ses efforts, le loup courait trop vite. Le voilà qui approche et il l'attrape. Et maintenant, voici où en étaient les choses. Le chat était assis sur une branche. L'oiseau sur une autre. À bonne distance du chat, bien sûr. Et les regardaient tous les deux avec des yeux mouvants. Pendant ce temps, derrière la porte du jardin, Pierre observait ce qui se passait sans la moindre frayeur. Il courut à la maison, prit une grosse corde et grimpa sur le mur. Une des branches de l'arbre autour duquel tournait le loup s'étendait jusqu'au mur. Pierre s'empara de la branche. Puis monta dans l'arbre. Pierre dit alors à l'oiseau : va voltiger autour de la gueule du loup, mais prends garde qu'il ne t'attrape.
De ses petites ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup, qui sautait furieusement après lui pour l'attraper. Il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Le loup, se sentant pris au piège, se mit à faire des bonds sauvages pour essayer de se libérer. Thank you.
imaginer la marche triomphale. Dans sa hâte, le loup l'avait avalé vivant.